Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de FF14. Il est temps de parler à Mère Louib et commencer l'instance solo. Bien entendu, n'oubliez pas de soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit pouce bleu, mais également la cloche de notification. Il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Nous devons retrouver Azada au nombril. Cet éthérite nous y reviendra. On t'inquiète, j'ai l'habitude de cet éthérite. Il est plus que probable que les kobolds invoquent Titan dès notre arrivée. Dans ce cas, je ferai le nécessaire pour attendre le rituel et Isnar s'occupera d'immobiliser le grand prêtre avec son sort. Ensuite, nous devons tenir bon le temps qu'Alizé termine de le soigner. N'oubliez pas, il ne faut tuer aucun des kobolds. Affaiblissez-les et Einzar s'occupera du reste. Nous partirons quand tout le monde sera prêt. Ah, c'est parti! C'est parti, c'est parti! Pour l'avenir! Des Orzea. Il faut que tout le monde soit main dans la main. Avec des sacrifices déjà. Christo, sacrifice. コボルド族の司祭を私がリムサロミンサ提督のメルウィブ・ブルーフィスウィンだ。この度は我が国の者によって略奪が行われていたこと、大変申し訳なく思っている。名手として謝罪したくまいった。のこのこ名手が現れるとは。 まんまと引っかかったな。この場で我らが父タイタンサーマの祝福を受けるがいい。やはり想定通りの展開か。 治療の準備を。言われなくても分かってるわよ。アリゼが魔法を発動できるまで持ちこたえるぞ。 Allez, c'est parti! Et donc, qu'est-ce que... Bon, j'avais oublié d'invoquer mon petit Ifrit. Voilà. Résistance de Zadar. Protéger Alizé, bien entendu. C'était prévu, ça. Cette petite espèce s'est attaquée au grand prêtre. Il faut l'arrêter. Il le faut. Oui. Oh, il est mini golem. Joli, joli. Si je me souviens bien, voilà, on peut éliminer Golem. Voilà, c'est des avocs. Mais il faut faire attention à ne pas éliminer. Oups. Bon, les loups commencent à m'énerver là. À tout le monde qui est là en fait. Je peux avoir un peu d'aide s'il vous plaît. Enfin, je m'en sors hein, mais bon quand même. Ah merci. Bon c'est marrant, mais ne pas tuer les trucs qui sont là, HS pour moi. Pour moi ça n'a pas été capturé. Bon c'est la zone AO alliée donc je peux le laisser là. Ah voilà. Je m'occupe d'immobiliser les kobolds. Bien, la soirée est prête. Angelo, à toi de jouer! Je pense que ça va seulement baisser la résistance. Voilà.
Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? On va devoir faire ça plusieurs fois. Aisé, tout va bien? Sa subjugation est plus tenace que celle de Gabou. Un seul sort n'a pas suffi. Restez sur vos gardes. C'est ce que je craignais. Seul, Aisé n'aura pas assez d'énergie pour le soigner. Oh. Ah, il faut partager les dégâts. Bon, je vais partager les dégâts ici. D'un côté, il y avait un mec qui ressemblait à un tank et de l'autre côté, pas vraiment. Même si je sais que Gratia est un tank, hein, mais ouais, quand même. Merci, Gra. Parfait. Affine, il faut que nous prenions de l'énergie à Lise. Je pense qu'à un moment donné, ce sera notre tour. Mais... Merci. Grâce à vous deux, je vais pouvoir essayer encore une fois. Oh, mais il faudra encore 4 fois, première vie, à moins que tu fasses du 50% là. Bombo! Parfait. Allez, encore. Ah, je n'avais pas pouvoir continuer comme ça encore longtemps. Enfin, ça n'arrête pas. Il faut protéger la demoiselle. Bon, première vue, bon, lui, on peut rien faire. Oh shit, lui je l'avais pas vu. Parfait. Ça par contre je sais rien faire là. Ok. Bon, lui, elle est HS. Lui est HS. Ezar, c'était trop risqué. Il faut se faire sa chance. À toi, Alizé. Wouah. Pour moi, il reste plus qu'une seule fois. Ce sera sûrement à nous de le faire. Mais là, ils sont tous les deux HS. Elle aussi. Eux deux aussi. Il reste que nous. On y est presque, Carrie, je vais avoir énergie. Ouais, mais y'a pas de mob entre temps. Ah non, en première vue, non, tant mieux. Ah si, y'a bien un mob. Malus de PV, PV maximum réduit, infirmerie, bah, tout ce qu'il faut, quoi. Perforateur du deuxième arbre. Vous allez tous mourir, oui. Je peux pas bouger là actuellement. Pendant 15 fucking secondes. Ah non, ça. Pendant je sais pas combien de temps. Nous devons obtenir la paix avec les kobolds. Et je suis prêt à y laisser ma vie pour y arriver.
Ne t'inquiète pas, mon grand, tu vas le cher. Bien prendre cher. Je peux même reculer en fait. Ah ouais, ok. Parfait. Encore plus d'énergie, Kairi! Encore plus d'énergie! Tiens! Prends! Remplis-toi. Remarquez quand même que contrairement aux autres, on n'est pas à chasse après avoir donné de l'énergie à Viseur. カード化を解けば傷とも向き合わざるを得ないか。ゴブ?ついてきちゃったの? Ah!
コボルド族の司祭、私もその子供と同じことを願う。蛮神の召喚はコボルド族も人も不幸にするだけ。もう神おろしは必要ないのだ。 私からあなた方にお願いがある。我らリムサロミンサとコボルド族は長年にわたり領土争いを続けてきた。それは確かに生きるためだったのかもしれない。しかし結果としては互いに傷つけ合い、不幸ばかりが増えてきた。今こそ和解に向けて手を取ってはもらえないだろうか。 確かに同胞を手にかけてまで神おろしをしたのは間違っていた。しかしだからといって和解などできない。人を信用できるものか。海の恵みは人のもの、 大地の恵みは我らのもの。その盟約を違えたのは人の方ではないか。我らは弱い。強者に抗うには神にすがるほかなかったのだ。 その点に関しては 弁解の余地がない。 過去において リムサロミンサの為政者たちが条約の曖昧さを利用してコボルド族への侵略を行ったこと、 その非は間違いなく我々にある。 今ここでそれを認め、どうか謝罪させてほしい。本当に 本当に申し訳ないことをした。曖昧だった不可侵条約はしっかりと規定し、それを犯した者は厳重に処罰する。だからこの島で人とコボルド族で共に生きてゆきたい。いや、騙されない。 人は幾度となく約束を破ってきた。もう信じることはできない。どうか、どうか最後まで聞いてほしい。その昔短くはあったが、コボルド族と我らカイトの民とが共存できていた時代もあったんだ。 その時代、コバルトの精錬技術が我らにもたらされた。今やリムサロミンサは夜勤術の町として知られているが、源流はあなたがたコボルド族との交流にあるのだ。もし我らを許し受け入れてくれるのなら、我々は コボルド族が掘り出した鉱石、撃った鋼や鉄を船で運び、諸国に売り歩こう。こちらからは海や諸国で得た物資をコボルド族にもたらしたい。このバイルブランド島では取れない鉱石や資源が必要ならば、必ずそれをあなた方に届けよう。サハギン族も含め我々には 上も下もない。同じバイルブランドという船に乗る同志として、どうか我らを許し認めていただけないだろうか。我らだって
我らだってその言葉を信じたい。でも、また騙されたら、また裏切られたら。司祭様、悪い人は確かにいるけれど、 この人たちはいつだって優しくしてくれたよ。 私は元海賊だ。 時に襲い、時に奪い、海を血で染めたこともある。そしてそれが消せるとも消え去るとも思っていない。それは私が愛用してきたデスペナルティという銃だ。 リヴァイアさんに見入られ、仲間を裏切った我が父に死の制裁を加えた銃でもある。弾は入っている。銃口を私の額に向け、引き金を引けば私は死ぬ。たった一つの命で 長年の恨みを忘れてくれというのは虫のいい話だとは思う。だが、何分私に差し出せる最大のものは自分の命しかない。古い盟約が信じられないのなら破棄しよう。代わりに私の血で済むのなら、それを新たな盟約に。 まだお前たちを信用できない。でもガブの言うことならもう一度だけ人を信じてみよう。 私たちもあなたたちの信仰そのものは否定しないわ。大地の恵みに感謝を捧げるコボルド族の思いは決して邪悪でなんかないはずだもの。でも神おろしは違う。もしそれを願う仲間がいたら止めてあげてほしいの。私たちはいつでもその手助けをするから。
私がそうだったようにタイタン様にすがる仲間は大勢いる。もしそれを直せるならとても助かる。コボルド族のザダ殿、改めて我らの申し出をお受けいただいたこと、深く深く感謝する。Ça finit bien. C'est déjà ça. À un moment donné, j'ai cru quand même qu'il allait vraiment tirer. Mais bon. Ça aurait été très... trop glauque peut-être pour FF. Donc voilà. L'amiral m'en a fait voir de vertes et de pas mûres ces derniers temps. J'ai bien cru que j'allais perdre mon sang-froid. Heureusement, tout est bien qui finit bien. Merci encore à toi et tes compagnons. Cette paix avec les kobolds est un moment clé dans l'histoire de Urzia. Et c'est certain, sur toutes ces rencontres à travers les dimensions et la détermination sans faille d'Alizé et de l'amiral, rien de tout cela n'aurait été possible. Je suis fier d'avoir pu assister avec toi aujourd'hui. Nous voilà bien engagés vers une paix durable cette fois, et cela a le droit à Alizé. Elle s'est vraiment surpassée. Si j'ai pu guérir Zada, c'est grâce à votre aide à tous. Mais ce qui compte vraiment, c'est que les paroles de Gabou et de l'amiral ont réussi à le toucher et à lui inspirer confiance à nouveau. Il a dit qu'il n'avait pas encore confiance, mais qu'il voulait croire à Gabou. Quand même. Et donc, nous allons nous arrêter ici. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit pouce bleu, mais également la cloche de notification. Il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Allez, à la prochaine. Bye.